balance-moi la neige. Ouais, bah ouais. Là. Là, puis après tu relances sur la vire qui est 40 cm au-dessus de ton piolet droit, la grosse vire. Yes, plutôt à droite, plutôt bord à droite, voilà, plus à droite, dans l'angle à droite. Le plus haut, elle va rentrer, ça va être un pire bloc. Comme ça? Ouais, par là, faut racler. Ouais, ça rentre. Ouais, là, c'est bien. Ouais. Ah, dément! Ouais. Je suis content. Pas du tout mou. C'est quoi? Pas du tout mou. Putain. Déteste mou. Allez. Celui-là, c'est vraiment ce qui me tend, quoi. Ah ouais? Ah ouais. Parce que là, t'étais sur une micro. Non, là, sur le plat, là.
Yes. Yes. Yes, il est mort. Allez. Yes, allez. Putain, c'est dément cette section. Ah.
Allez, oh, faites un peu plus nerveuse, les cams. Oh. Y'en a un peu de mou, Nas. C'est longueur. Ben, elle est pas facile, hein. C'est déjà déversant dès le début. Et quelque chose qu'on n'a pas forcément trop l'habitude dans ce genre de terrain. Et après, ouais, ben des placements de lames dans un premier temps de piolet là qui sont pas toujours évidents à trouver. On a vu qu'il y a quand même pas mal de crochetage sur des petits rebords. Pas mal aussi de mouvements atypiques de ce qu'on fait là, c'est-à-dire des inversés, des piolets qu'on met de façon transversale pour monter au mieux, et puis surtout aussi les protections. Là, vous avez vu en montant, en fait, il y a deux camalots qui ont sauté. Voilà, bon, c'est des versants, hein, ce qui tombe, ça va pas toucher le rocher, mais... Ça demande quand même vraiment de l'apprentissage, quoi, cette longueur en tout cas. Bon, je ne doute pas qu'il y ait des gens qui puissent faire ça à vue, mais là ça reste quand même quelque chose de plutôt délicat. Et il faut y aller quand même vraiment en douceur, quoi. On a vu la fin, il y a quelques ancrages dans les mottes. Les prises sont un peu cachées par la neige, ça met un peu plus de piquant. Ça coûte quoi, ça? Ça, là, je pense à quelque chose dans le M9 à peu près. En tout cas, ouais, c'est sûr que c'est plus dur de tout ce que moi j'ai pu faire ici dans la rive gauche. Et en tout cas, dans ce genre de style, sans spit, sur des prises complètement naturelles et sur des protections posées. Là, bon, on est qu'il y a 3 pitons. Mais... Ça reste quand même. Il faut y aller, ouais. Les pitons, c'est vachement, on peut sauter dessus à chaque fois. Donc, tu mets pas mal la presse. Tu sers sûrement les piolets plus qu'il faudrait. Donc, c'est vrai que ça cause. C'est souvent notre problème pour côté en montagne. C'est que ça. On a ce facteur psychologique qui nous tend. Et qui fait qu'on a tendance à surcoter par rapport. Si on avait la même voie sur des spits. Mais ouais, on peut dire par rapport à l'effort, ouais, on serait du M9 délicat à protéger, ouais, un peu global, pour une trentaine de mètres. Ouais, trentaine de mètres, et vraiment 30 mètres soutenus, il y a pas... On a vu, il y a une section où ça grimpe avec les mains, mais à ce moment-là, t'es encore dans le dévers, t'as pas les pieds, puis t'as pas des chaussons aux pieds, c'est des gratons, c'est des crampons, du coup, faut toujours rester vachement gainé pour appuyer sur les pieds. Ce qui veut dire que c'est pas non plus là... Une décontraction complète, un repos complet.